Bienvenue à tous les amis, oh, c'est le multiverse. Bienvenue à tous. 170 000 balles. Ah, je savais que le vrai ou faux était attendu, mais à ce point, faut pas faire autant de choses. Hein. Je savais que vous attendez ce vrai ou faux en live, mais de là à faire une innovation comme ça, je suis un petit peu gêné. Et merci Tidou pour les 20 balles. 691 euros les amis, alors qu'on n'a même pas fait 20. On a fait juste 5 heures de live hier et là ça fait 3 heures qu'on stream. Vous faites incroyable, vous êtes des cracks. Vous êtes des cracks. On est à 109 balles de l'ultime donation goal. Bien joué. Mais là, du coup, les amis, bienvenue à tous. On est sur un vrai ou faux en live. Alors, effectivement, on ne sera pas dans les meilleures conditions, mais c'est un donation goal du Téléthon Gaming. Et donc, je vous avais promis la moustache. Et oui, parce que du coup, ça, je pense qu'il y a plein de gens de Rockstar Mag qui sont en train de dire « Qu'est-ce qui se passe ?» C'est non, on n'a pas mis de 700 balles. Et c'est vous qui avez fait les donation goals d'ailleurs. Donc voilà. Donc bienvenue à tous pour ce vrai ou faux spécial GTA 6 en live qui sera en rediffusion sur Rockstar Mag. D'où le fait qu'on n'est pas chez moi, on n'est pas dans le décor, que c'est un petit peu le bordel, que le micro n'est pas super fou. Mais voilà, c'est qu'une mec à la télé. Et oui, c'est Liberté 93, les amis. Bienvenue à tous. On est parti pour un bon quart d'heure, 20 minutes. Deux questions, ça commence maintenant dans le chat. Allez-y, vous pouvez poser vos questions et j'y réponds du mieux que je peux. Et je commence à avoir la gorge complètement folle. Donc voilà. Est-ce que Vice City sera... Ouais, attendez, par contre, on peut poser les questions, mais attendez. On peut poser les questions, mais doucement. Hein. Par rapport à l'année fiscale, première question. Première question de Yasuo. Par rapport à l'année fiscale annoncée de Tech2, penses-tu que c'est toujours d'actualité et qu'on peut espérer voir le jeu sortir en mars-avril 2025 maximum? Et merde. Oh mon Alfred Katos, 109 balles. Merci Pierre. Putain, t'es un crack mon Pierre. T'es un crack, 109 balles. On est à 800 balles. Cela veut dire qu'on va avoir la scène IRL de GTA RP. Regardez, scène IRL, les mecs, dans le chat, vous me retournez le chat pour Unfall Kratos qui vient de nous lâcher 109 balles. Je l'ai dit déjà, il repart avec le dessin. Il y a un dessin, 5 dessins à gagner. Il va y en avoir un pour Unfall Kratos. Et après, ce sera pour les gros membres de la communauté. Gros GG. Gros GG, 800 balles, les amis. Bravo à tous. Bravo. Et merci mon Pierre. Merci à toi. Bon, là, il faut que je me remette de mes émotions. Merci, putain. Merci. Merci, merci. On part sur le vrai ou faux. Hein. Je continue la question. Merci encore. Hein. Merci, merci, merci. Merci. Je vais faire tout ça en direct. Donc, par rapport à l'année fiscale de Tech2, il faut savoir qu'en 2011, ils avaient fait pareil avec GTA V en annonçant une très grosse année fiscale 2012. Et finalement, GTA V était arrivé sur l'année fiscale 2013. Donc, attention, c'est pas sûr de ouf que l'on soit vraiment sur ça. Il faut pas la prendre pour argent comptant. Est-ce que Vice City, donc Flow, est-ce que Vice City sera deux fois plus grand que Los Santos de GTA V? Je n'ai pas les dimensions exactes de cela, mais je pense en tout cas qu'on sera sur quelque chose de vraiment pas mal. Honnêtement, on sera sur quelque chose de vraiment pas mal, mais je n'ai pas les kilométrages exacts. Une prédiction des performances à la Xbox Series S pour GTA 6 au vu de sa faible puissance. Alors, cette Series S, c'est une bonne console, mais ça reste un fléau pour les développeurs. Et donc, du coup, je pense quand même que ça risque d'être compliqué.
Déjà, on ne sera pas en 4K, on sera en 2K. Maintenant, c'est vrai que habituellement, les développeurs arrivent à bien adapter leur jeu, même si ça reste très compliqué pour eux. Donc, je ne pense pas que les joueurs seront extrêmement pénalisés, même si, je vous le dis, l'expérience ultime, ce sera sur PS5 et Series X, voire PS5 Pro et Series X Pro. Une idée de la date de sortie du trailer 2. Moi, je vois bien pour printemps 2024, entre mars et mai 2024. Voilà. N'ayant pas de vu le trailer et comme il 2025, ça ne tient encore la route, le fait qu'il pourrait y avoir un potentiel des affiches publicitaires en début d'année. Alors, il y a une rumeur, effectivement, que Sam Hauser aurait rencontré des agences de communication pour débuter l'affichage publicitaire dès la fin du mois de décembre. Sachant que moi, c'est sorti 2025 et qu'on n'a pas de date précise, pour moi, c'est faux. Pour moi, la com ne va pas commencer tout de suite. Pensez qu'on aura le trailer 2, donc ça, j'ai répondu. Un vrai ou faux présenté par Magnum. Un retour de Flash FM, j'espère. Est-ce que donc on avait des musiques de GTA V qui étaient les mêmes de San Andreas, non? Mais j'espère, ce serait complètement dingue. Penses-tu qu'il y aura des accès au jeu avant la sortie pour la presse? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y aura des previews. GG, Pierre, GG. Ah, ça fait plaisir là, vous avez vraiment mis GG. Bien joué. Eh oui, Unfall Kratos, bien joué. Unfall Kratos, bien joué. Trouves-tu un changement de communication chez Rockstar depuis la sortie du trailer de GTA? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, puisque déjà, ben Rockstar, l'ancien Rockstar n'aurait même pas fait le tweet du 8 novembre. Ils auraient balancé l'image avec la date du trailer le 1er décembre, c'est tout. Et ça change beaucoup. Donc la date du trailer 2, je l'ai dit. Penses-tu que le changement de personnage de GTA 6 sera pareil que GTA 5 dont vient une roulette ou alors ils vont le faire différemment? Alors écoutez, moi je pense que ça marche plutôt bien. Donc pourquoi, putain la caméra, j'ai trop du mal à l'arriver. Pourquoi le changer? Moi je pense que c'est simple et efficace. Donc ce sera peut-être pas exactement la même, mais pourquoi la changer? Aiko, est-ce que le logo peut changer d'ici la sortie du jeu? Je crois pas. Je pense pas. Lulu, as-tu des informations concernant le marketing de cette fin d'année? Alors ça, j'ai répondu. Moi, je pense pas que ça va attaquer en fin d'année. Là, je pense qu'ils vont laisser reposer le truc et que ça va reprendre en 2024. Est-ce que la map ressemblait à celle de FanMade? Ben, techniquement, on n'a pas vu la map. On a vu des morceaux de la map, mais on n'a pas vu. Donc là, on peut pas dire. Merci Warrior Palex pour le sub. Merci beaucoup. Penses-tu qu'étant donné les différents physiques entre les personnages, nous pourrons faire évoluer notre personnage physique, par exemple, en pratiquant la musculation, perdre du poids, se muscler, ou à l'inverse, pendant prendre du poids? Alors, honnêtement, je sais pas. Sur ça, je sais pas. Est-ce qu'ils vont repartir là-dedans? Ce serait pas mal, mais je ne sais pas. Je ne sais pas parce que rien nous semble indiquer dans le trailer. On n'a pas vu de salle de sport. Au final, on n'a pas vu de burger shot, de cooking bag qui sont ouverts, etc. Donc, on pourra re-rentrer dans les supérettes comme c'est le cas dans GTA V. Mais est-ce qu'on va pouvoir faire un burger shot, etc. Ça, je ne sais pas. Le fait d'annoncer 2025 sans mois précis, n'est-ce pas une sécurité pour Rockstar? Totalement, Wick. Très bonne question de Wick Carabéan. Pour moi, je pense qu'actuellement, le trailer, il est prêt pour... Enfin, le trailer, le jeu est prêt pour le printemps 2025. Donc, je dirais peut-être avril ou mai 2025. Mais le fait de donner uniquement 2025, ça permet de, si jamais il y a un retard de développement, de le reporter tout doucement à septembre-octobre 2025 en interne sans annoncer
sans annoncer un report public. Et une fois qu'ils seront vraiment sûrs, là, ils annoncent la date de sortie. Moi, je pense que c'est ça. De toute façon, je vous l'ai dit à travers une vidéo Rockstar Mag. Et la preuve, hein, quand même, et c'est là encore une fois que je ne vous ai pas menti, dans un vrai ou faux de Rockstar Mag, je vous ai dit la deadline, c'est été 2025. On est en plein dedans. Des cheat codes sur GTA 6, oui. Alors après, peut-être qu'il n'y en aura pas autant que les anciens, mais oui. Y a-t-il un risque pour GTA 6 si Trump est réélu en 2024, sachant qu'il avait déjà convoqué Take-Two, en plus Miami et tout? Je ne pense pas, parce que au final, il y a une grosse partie du scénario qui ne sera pas politique. Et comme je vous le dis, à mon avis, GTA 6 sera quand même plus sale. Pensez que nous pourrons voir nos crimes à la télé dans le prochain GTA. Avec l'émergence des réseaux sociaux et apparemment la caméra with the news, peut-être que y a des choses qu'on fera dans l'émission que l'on pourra revoir, dans la télé. Je suis en train de regarder. Ouais, les questions un petit peu. En fait, moi, j'ai le chat à côté où je le remonte parce que ça va trop vite sinon. Changement de question, on l'a vu, message satisfaction volontiers, tu peux t'envoyer un DM sur Twitter. Alors là, j'ai tellement de retard sur Twitter que tu m'envoies un message maintenant sur Twitter, ton message, je le verrai en février 2024. Hein. Donc, à ton avis, GTA Online Verlan va disparaître dès la sortie du V2, peu avant, ou vont-ils cohabiter? Ça va être la grande question de Kaoul. Enchaîner le Téléthon Gaming après la semaine de GTA 6, fallait le faire. Je pense qu'au niveau du GTA Online V1, je ne sais pas encore comment ils vont faire. Est-ce que ça va faire comme Fortnite? Le online va s'arrêter, enfin, le online va se mettre à jour et devenir le online de... Mais ça reste compliqué parce que pour ceux qui ont acheté le standalone, ça va être compliqué. Je sais pas s'ils vont là, je sais pas. Là, honnêtement, j'ai aucune idée. Selon toi, le personnage de GTA 6. Alors, selon toi, est-ce que les personnages de GTA Vice City pourraient faire une apparition dans GTA 6? Très compliqué. Ça se déroule 40 ans après. Donc, déjà, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont morts. Puis en plus, il en reste pas beaucoup des personnages. Il y avait Ken Rosenberg, mais vu son âge, très peu. Peut-être Ken Paul. Ken Paul qui pourrait arriver, mais très probable. Il est possible que si tout se passe bien, le jeu sorte avant 2025. Alors, effectivement, il y a des moments où il y a des jeux qui sont avancés. Mais en général, c'est de quelques jours, voire de quelques semaines. On a eu par exemple Assassin's Creed Mirage, qui devait sortir, je crois, le 10 octobre, et qui a été avancé de 5 jours. Parce que les développeurs étaient en avance, ont fini le jeu en avance, bam, on sort 5 jours. Mais c'est très rare que ce soit de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Donc moi, j'ai quand même quasiment aucun espoir pour que ça arrive en 2024. Le trailer que nous avons vu était-il prêt depuis plusieurs mois ou a-t-il été finalisé récemment? Je pense qu'il était prêt depuis plusieurs mois, moi je vous le dis, mais qu'ils ont pu ajuster certaines scènes dans les derniers temps, mais le trailer était prêt. Penses-tu que le jeu en mode surprise ou un peu plus vite que prévu? Non, ça je l'ai vu. Penses-tu que l'ami du film développeur qui a raison quand il a dit que 70% des développements sont accessibles, il a également dit que trois villes principales, mais dans le trailer, à part la minuscule morceau du port G, surtout Vice City, big up à toute l'équipe et la semaine. Alors, moi je fais attention aux amis, d'amis, de jamis ou quoi que ce soit. Salut! Ouais. Ok. Très bien, ça marche. Ok. Donc il va falloir arrêter dans pas très longtemps. Et donc voilà, ouais, les on dit d'amis, de chez amis, d'amis. Voilà.
Moi, j'y crois sans y croire, donc j'y fais pas attention, honnêtement. On n'est même pas sûr que ce soit un vrai ami du site du développeur, etc. Donc voilà. Oui, là, rediffusion sera sur Rockstar Mike. Rockstar va-t-il payer les droits pour certaines musiques de Vice City? Ça, on ne sait pas. J'espère en tout cas qu'il y aura une radio, une vraie radio, tu vois, qui sera en mode nostalgie des musiques de Vice City. J'espère vraiment. Si on y a un DM sur Twitter, ma question trop longue, tu verras en juin 2026. J'y répondrai dès que je peux. Donc je suis en train de regarder. Faites des dons les amis. Faites des dons pour le Téléthon Gaming. C'est pas pour moi encore une fois, je vous le dis. Vous êtes déjà des cracks, 800 balles, alors que c'était pas prévu qu'on vienne. Qu'on n'a pas fait tout l'événement, nous. Nous, on a attaqué hier à 18h. Nous, ça fait limite que 24 heures qu'on est là et on n'a pas fait. Donc si vous êtes des cracks. Vous êtes des cracks. Une sorte de système de karma comme dans le premier Watch Dogs, quand on faisait des crimes, on passait à la télévision et les gens pouvaient appeler la police en nous voyant. Ça, malheureusement, c'est des questions, les amis, je ne peux pas vous y répondre. C'est des possibilités. Je suis désolé, je baille, c'est mal poli, mais il y a très peu d'heures de sommeil sur toute la semaine et hier soir. C'est une possibilité, effectivement, mais ça, je ne peux pas répondre. Là, c'est des choses où vraiment ça n'a pas encore été annoncé et on peut spéculer, c'est possible, mais voilà. Ce que nous avons vu est une démo technique de Rage 9. Il a fait son showcase, nous a montré de quoi il était capable. Mais une fois une game en te basant sur tes sources, sur tes précédents trailers, penses-tu que les événements aléatoires pourraient être à la hauteur de Red Dead Redemption 2 et que la ville pourrait être aussi dense? J'arrive pas à imaginer une génération de consoles actuelles réussir à faire tourner une aussi grosse densité, que ce soit en termes de PNJ ou même tout simplement de véhicules. Alors, en fait, on disait exactement la même chose en 2016 avec Red Dead Redemption 2. On rappelle que Red Dead Redemption 2 est sorti en 2018, mais le trailer date de 2016 et c'était exactement les mêmes choses. Alors là, c'était pas trop sur la densité, mais sur les graphismes. On disait non, mais jamais la PS4 et la Xbox One pourront mettre une map aussi immense et proposer jamais des graphismes comme ça. Vous vous rappelez le tout premier trailer de Red Dead Redemption 2? À un moment, en fait, on a un coucher de soleil et en fait, on voit la map qui est hyper immense. Et on disait, non mais jamais on pourra aller jusqu'au bout. Jamais, c'est pas possible. Eh bien si. Il faut dire une chose, c'est que Rockstar, ça fait plus de 17 ans qu'ils travaillent sur le même moteur graphique. Ils le connaissent par cœur et ils l'adaptent tout simplement à leur jeu. Moi, j'y crois. La chute d'actions en bourse, oui, c'est à cause de la nuit de sortie, mais bon, c'est pas énorme. Et vous inquiétez pas que ça va vite remonter. 60 FPS sur PS5 et Series X. Je pense qu'il y aura deux modes, un mode fidélité, un mode performance, surtout sur PS5 Pro. Mais voilà. Alors, date de sortie 2026, c'est possible. Hein. Catastrophe dans le développement, à un moment il y a un problème, ça peut être décalé, bien sûr. Ouais, je suis fatigué. Là, je vous le dis, je suis vraiment au fond. Question, est-ce que tu penses que dans le futur, les serveurs de Stalin pourraient fermer malgré l'argent dépensé par les joueurs? Ah oui, hein. Oui. Hein. Ils pourraient fermer et ils nous balancent un truc en mode, pour tous les joueurs GTA Online, vous avez ça. Enfin, qu'ils mettent des récompenses sur la nouvelle version. Mais oui, forcément qu'il y a moyen qu'il... Qu'à terme... Oh, c'est horrible! Qu'à terme, ça ferme. Tu vas aller au lit? Ouais, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de passer, de me poser, parce que là... Penses-tu qu'il y aura une révolution au niveau de l'intelligence artificielle? Carrément! Très bonne question, Marvel Galactus. Et carrément, je pense qu'il y aura une grosse révolution. De toute façon, Rockstar avait déposé un brevet sur l'amélioration de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il y a le développeur de Rockstar qui a analysé, qui a dit que c'était sur le moteur graphique, il était dans l'animation. Et il a dit que c'est des vraies animations qu'on voit. Donc oui, ça va être assez fou. Yasuo, les magasins ont l'air hyper modélisés. Yes! Est-ce que tu as une info par hasard? Pour le buffet? Non, pas du tout. Ah, il y a trop d'infos. 19h30. Ah oui, on rush. Ouais, 19h50, c'est raid. En gros, 19h30, au fond là-bas. Ok. 19h50, le raid de téléconférence. Ok. Voilà. Ça marche.
Merci. Encore une info ? Dans 5 minutes, j'ai oublié. Dans 5 minutes, j'ai oublié. Je compte sur vous, le chat. Hein. Vous avez noté. Hein. Je compte sur vous. Hein. Notez parce que là, dans 5 minutes, j'ai oublié. Les magasins ont l'air d'être modélisés comme dans Red Dead Redemption 2. On pourra peut-être prendre des objets et acheter. Je pense aussi. Hein. De toute façon, il faut se dire une chose, c'est qu'il y a plein de choses qui étaient dans Red Dead Redemption 2 qui vont se trouver dans GTA 6. Pensez que la jaquette finale du logo, on verra avec le 6. Ah oui, bien. Bien, Lulu. Bonne question de Lulu. Pensez que sur la jaquette finale du jeu, le logo avec le 6 sera sur le côté droit ou plus petit comme toujours ou sur la première du... Eh ben, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que c'est vrai que pour moi, on a deux logos. Je sais pas du tout. Bonne question. Prochain trailer sera quand, j'ai répondu. L'action, elle remonte déjà, bien entendu. Il faut pas oublier les serveurs de GTA 4 sont encore ouverts, posés dans le lieu tac. Ben voilà, j'en suis arrivé là. Allez, je prends encore trois questions. Je prends encore trois questions, les amis. Trois questions et après, ça va être vraiment la fin. En gros, à 19h30, il va y avoir un DJ set là-bas et à 19h50, pour Red. En fait, avant d'aller sur DJ set, je Red. Comme ça, tout le monde est pour DJ set avec nous et DJ set. Eh ben voilà. Très bien. Les amis, on prend les trois dernières questions. Est-ce que tu as vu Ligouane sur le SDF? Bien sûr, mais on a fait... Calmez là. On va... Salut Quentin. On a fait une mise à jour de notre dossier écrit, les amis. N'oubliez pas, chaque vidéo, on ne peut pas les éditer, mais dans la description des vidéos, vous avez des liens sur Ostermag et nos articles sont constamment mis à jour. Ainsi, si je vais sur Rockstar Mag, on va faire ça en live, et que l'on va sur l'analyse complète, et qu'on va par exemple sur les animaux, regardez, mise à jour, et on a ajouté donc du coup l'iguane ici, et les tortues de mer. Là. Donc bien sûr les amis, les vidéos malheureusement je ne peux pas les mettre à jour, mais on ne chôme pas et sur notre site on met les choses à jour. Pensez qu'il pourrait faire de la pub pour le prochain GTA sur GTA Online? Oui, totalement. Et je pense qu'on va avoir, comme dans Red Dead Redemption 2, des petits événements, par exemple, on va pouvoir débloquer une arme ou un véhicule ou un vêtement de GTA 6 qu'on pourra débloquer dans GTA Online GTA 5. Allez, dernière question. Ça part sur la dernière question, les amis. Dites-moi un petit peu, dernière question, et on s'arrête là. Chris Trevor. Eh ouais. Allez, dernière question, les amis. Dernière question, et on achève ce vrai ou faux dès maintenant. Et aussi, il n'y a pas de dernière question, on achète maintenant. Bon, on va pas se faire prier. Hein. Je suis fracassé. Je suis mort. Je suis très content par contre, c'était très cool. Dire que le téléphone de l'année prochaine, on aura... ouais, mais c'est clair. Alors, oui, on aura sans doute la date de sortie, mais dites-vous que on a lancé la chaîne Twitch au téléthon l'année dernière. Imaginez-vous, on se serait jamais dit, putain, dans un an, on va refaire le téléthon et en plus, on aura le premier trailer de GTA 6. C'est complètement fou, ça. C'est complètement fou. On m'a donné l'information, je pense. Voilà. Mais t'as raison. Le raid à 19h30, le monde d'avant, eh ben, c'est bon. Merci à toi Théo. Voilà. Donc dernière question, Chris Bottas. Tu aurais aimé faire Zenon? Bah, bien sûr. Vous savez, moi les amis, j'ai une association caritative. Je fais énormément d'événements caritatifs. Je co-organise mon événement caritatif. Forcément que le ZD20, voilà, mais le ZD20, les amis, c'est les vrais streamers, les vrais stars d'internet. Moi, je suis personne. Allez, dernière question intéressante. Est-ce que l'on pourra avoir les animaux de compagnie sur le Honen? Eh ben ça, je sais pas. Petit ghost. Il n'y a pas de dernière question. Penses-tu que GTA sortira retardé après 2000? Mais je l'ai dit, il pourrait même arriver en 2026. Tout est possible, les amis. C'est pas succès. Du coup, les amis, on va arrêter le vrai ou faux ici. Merci de l'avoir suivi.
dans ces conditions un petit peu folles, mais au moins vous vivez l'ambiance, c'est complètement génial. Merci à tous ceux en tout cas de nous suivre. On arrive vraiment à la fin de la couverture de ce premier trailer de GTA 6. Merci à tous pour la force, etc. On est bientôt à 161 000 abonnés. Vous avez fait exploser les stats et je vous avais promis, on sera comme ça à chaque fois pour tous les moments de communication. Ce sera comme ça. On arrête le vrai ou faux et on reste en live pendant encore 10 minutes pour tout simplement le comment ça s'appelle la fin du Téléthon Game.